À quoi ressemblera demain? Chaque jour, Cécilia Sévry nous en donne un aperçu avec l'une de ses trouvailles parmi ces innovations qui peuvent changer notre quotidien. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, vous allez nous présenter un chargeur d'appareil électronique qui promet de fonctionner à distance. Oui, c'est ce que je vous présente. Je vous propose de ne plus brancher vos smartphones et de rester super loin même de votre appareil pour pouvoir le charger. Parce que la charge sans fil à plusieurs mètres, eh bien, c'est une technologie qui fait l'objet de recherches depuis quand même plusieurs années au niveau des constructeurs, des principaux acteurs dans l'électronique. D'ailleurs, on en a vu au CES cette année des modèles qui se rapprochaient de cette technologie. Mais ceux qui s'en rapprochent le plus, eh bien, c'est la société Xiaomi. C'est la marque chinoise et elle a dévoilé il y a quelques jours son nouveau système. La promesse, charger plusieurs appareils à distance, tout en jouant sur son téléphone. En fait, on pourra faire n'importe quoi, on n'aura plus besoin de se soucier de comment, quand et de à quel moment il faudra charger son appareil, on n'aura rien à faire. Alors, comment ça se présente, ce chargeur? Alors, c'est assez volumineux, il faut bien le dire. Ça ressemble un petit peu à une table de chevet. Et globalement, ça fonctionnera grâce à ce qu'on appelle le beamforming. C'est une méthode de filtrage spatial des ondes. Une technique de traitement du signal utilisée dans les réseaux d'antennes et de capteurs pour induire, en fait, une direction. Avec ça, le chargeur serait capable de détecter le smartphone dans la pièce, grâce d'abord à 5 premières antennes qui se trouvent dans le dispositif. C'est possible, eh bien, puisque un smartphone, ça dégage des ondes, donc on va aller localiser cette émission grâce à ces 5 premières antennes. Et puis le chargeur, à ce moment-là, va directement transmettre ses propres ondes à notre smartphone. On parle ici d'ondes millimétriques. Ce sont des ondes à très haute fréquence, entre 30 et 300 GHz. Elles seront transmises au smartphone grâce à 144 antennes intégrées. C'est pour ça aussi que c'est volumineux, cet appareil, donc dans l'appareil, et elles seront directement dirigées vers notre smartphone. Et comment ces ondes millimétriques peuvent charger le smartphone? Mais en fait, c'est notre smartphone qui va convertir ces ondes en énergie, parce qu'il sera équipé, ce smartphone, d'une petite balise. Donc quand il va recevoir ces ondes millimétriques, qui normalement sont transformées en données, là, il va les transformer en énergie grâce à cette petite balise intégrée et les envoyer directement au système de chargement. Donc, si je comprends bien, il faudra qu'on ait un smartphone de la même marque, un Xiaomi, si on veut que ça fonctionne. Bah oui, en tout cas, pour commencer, après on peut imaginer que les balises soient répandues dans tous les smartphones si ce type de chargement est démocratisé. Mais pour l'instant, oui, ça marchera aussi avec tous les autres objets connectés de la marque qui propose aussi, par exemple, des montres connectées pour l'instant et qui veut continuer à développer une gamme d'objets connectés. C'est l'idée. Mais alors, précision aussi quand même pour cet appareil, la charge ne s'interrompra pas si jamais un objet passe devant, si on a un meuble au milieu de la pièce, par exemple, ou si on traverse la pièce, la charge ne sera pas interrompue. Et quelle énergie aura cette puissance? Alors pour l'instant, la marque quand même reste assez réaliste sur ce point. Elle ne pourra donner une puissance que de 5 watts. C'est pas énorme parce que c'est l'équivalent de la recharge avec les premiers ports USB avant l'arrivée de la charge rapide. Donc c'est pas énorme, mais c'est réaliste par rapport à la disposition de l'énergie. Au beamforming, on ne peut pas beaucoup en donner plus, surtout si on veut charger plusieurs objets en même temps et qu'on veut traverser comme ça les objets. Mais on n'en est pas encore à la commercialisation. Non, on n'en est pas encore à la commercialisation. Même si c'est les plus avancés, la société a prévenu, pas de commercialisation, en tout cas pas cette année. Et puis il y a encore un point important à élucider, c'est le point de la santé, parce qu'on parle quand même de diffuser des ondes au milieu de la pièce, des ondes millimétriques au milieu de la pièce. Donc, il va encore falloir régler cet aspect-là. Donc, l'affaire à suivre. Question de format aussi. Question de format aussi. On n'est pas encore dans la miniaturisation. Merci beaucoup, Cécilia. C'est l'heure du Lab Startup.